Le prince Harry a été pressenti pour aller à l'encontre de sa promesse de ne pas révéler l'identité du raciste royal présumé alors que la publication de ses mémoires se profile. À l'approche de la publication très attendue des mémoires officielles du prince Harry, le commentateur royal Richard Fitzwilliams a suggéré que l'identité du prétendu raciste royal pourrait être révélée dans le nouveau livre. Dans leur interview choquante de 2021 avec Oprah Winfrey, le prince Harry et Meghan Markle ont suggéré qu'il avait fait face à une série de conversations inconfortables sur la couleur de peau de leur fils, Archie. Bien que l'identité du membre de la famille royale impliqué dans les conversations n'ait jamais été confirmée, la publication prévue de la biographie révélatrice du prince Harry pourrait constituer une nouvelle opportunité pour le royal qui aurait fait les commentaires d'être nommé. Monsieur Fitzwilliams a déclaré que le prince Harry avait précédemment refusé d'identifier l'accusé royal, mais a ajouté que le duc et la duchesse étaient notoirement imprévisibles. S'exprimant sur GB News, Monsieur Fitzwilliams a évoqué la prochaine publication des mémoires du prince Harry, qui devrait être publiée à l'automne. Monsieur Fitzwilliams a déclaré, il a dit qu'il ne nommerait pas le présumé raciste royal. Je suppose que, dans ce cas, les Sussex pensent ce qu'ils disent, mais ils sont imprévisibles. Au cours de leur célèbre entretien avec Oprah Winfrey, le duc et la duchesse de Sussex ont affirmé qu'un membre non identifié de la famille royale avait exprimé des inquiétudes quant à la race de leur premier enfant ensemble. Meghan a déclaré qu'il y avait eu des inquiétudes et des conversations sur la noirceur de sa peau à sa naissance. Lorsqu'il a été poussé à nommer le membre royal impliqué, le prince Harry a déclaré « Cette conversation, je ne la partagerai jamais. » Il a ajouté « À l'époque, c'était gênant, j'étais un peu choqué, monsieur. » Fitzwilliams a émis à l'hypothèse que Meghan aurait une influence significative sur le contenu de toute publication à venir. Le commentateur royal a déclaré « Je pense qu'il serait très peu probable qu'il écrive un livre qu'elle n'a pas approuvé. » Les mémoires, qui n'ont pas encore de date de sortie officielle, devaient sortir fin 2022, selon l'éditeur Penguin Random House. Monsieur Fitzwilliams a ajouté « Le livre pourrait ne pas sortir, il pourrait être reporté, ce qui serait la bonne chose dans l'année du jubilé de platine de la reine. » Après l'apparition des allégations inquiétantes de racisme, le palais de Buckingham a publié une déclaration officielle de la reine. Il disait « Toute la famille est attristée d'apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan. Les problèmes soulevés, en particulier celui de la race, sont préoccupants. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront abordés par la famille en privé. » Parlant de son prochain livre, le prince Harry a déclaré « Je suis ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique.